bienvenue sur ma chaîne, l'atelier des deux chatons. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu différente de celle que je vous ai déjà proposée. Si vous avez vu mon podcast numéro 3 concernant mes résolutions de nouvel an, vous allez bien comprendre pourquoi je vous fais cette petite vidéo. Alors, une de mes résolutions, c'était de coudre du vintage, ou en tout cas de l'inspiration vintage. Et aujourd'hui, j'ai pensé vous proposer un espèce de sew-along où je couds avec vous une robe justement d'inspiration vintage que j'ai achetée sur le site de Gertie's. Donc, comme je vous l'avais expliqué également dans mon podcast, je vous renvoie vers le numéro 3, allez-y, vous aurez toutes les infos. C'est une créatrice de patrons d'inspiration vintage et cette année sur Patreon, elle nous propose un nouveau thème qui s'appelle le Charm Artist Collective et le premier patron qui nous est proposé, c'est une robe avec deux encolures différentes et qui peut être également cousue en top. Je vous la présente tout de suite et c'est une robe qui s'appelle Joanne. Alors, la voici. Donc, cette robe, c'est une robe qui est cousue en matière extensible avec une encolure bateau ou alors qui vous est proposée également ici avec une encolure, ce qu'ils appellent la Sweetheart, qui est très décolletée. Alors ça, celle-là, cette version-là, je pense la faire en top. Par contre, moi, je vais faire cette robe-là. Et je vais vous faire voir tout de suite dans quelle matière je pense la faire. Alors, donc, moi je pense la faire un peu comme ici en bicolore. Par contre, le haut, ce sera en noir. Et le dessous de poitrine jusqu'en bas, c'est un scuba. Je vous fais voir la pépite tout de suite et c'est ceci. Voilà, donc c'est un scuba beige et noir que j'ai trouvé chez ma mercerie préférée qui s'appelle Mademoiselle Phil, à Lens. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. Donc c'est un magnifique scuba qui est un petit peu comme du daim, une suédine presque. Et de l'autre côté, il est beige. Et donc j'ai profité des soldes chez Mademoiselle Phil pour en prendre la quantité nécessaire. Et le haut de la robe, ce sera du noir tout simple pour faire raccord. Et donc ça, c'est un coupon de jersey noir assez épais que j'avais acheté sur Internet chez Erel, il me semble. Voilà. Alors, ce magnifique scuba est en promo. Il est à moins 70% chez Mademoiselle Phil. Il en reste encore un petit peu. Je l'ai acheté la semaine dernière et il en restait largement. Voilà, voilà. Donc, on va donc faire cette robe. Alors, ce que nous en dit la créatrice. Donc, c'est une robe qui va de la taille 2 à 20 en taille américaine. Donc, ça, c'est à peu près l'équivalent d'un 32 au 50. Et ensuite, elle a également fait une gamme élargie qui va, elle, du 18 au 34. Donc, c'est-à-dire du 48 au 64. Ça nous laisse quand même un panel très, très large. Et comme c'est une robe qui est relativement ajustée au niveau de la poitrine, elle propose trois groupes de tailles. Donc, de la taille bonnet A à C, de la taille D à F et la taille G à H. Donc, voilà. Quoi vous dire d'autre? C'est une robe qui a été inspirée d'une robe dans Mad Men. Elle nous recommande donc une maille tricotée, alors une maille assez rigide, ce qu'ils disent stable. Donc c'est-à-dire un scuba, un jersey épais.
Moi, je pensais également à un Punta di Milano ou un Punta di Roma. Ça pourrait être sympa. Et si vous avez un jersey de coton assez épais, alors à mon avis, un jersey de viscose, c'est mort, puisque les jerseys de viscose sont assez mous. Je pense que vous n'aurez pas cette tenue. Et la recommandation, alors, combien on nous recommande de tissus? On nous recommande donc pour la taille de la taille 2 à 10, on nous recommande 2,20 m pour une laisse de 140, pour la taille 12 à 20, 2,30 m, et pour les plus grandes tailles, donc les plus grandes tailles, oups. Donc pour la taille 18 à 24, également 2,30 m. Et pour la taille 26 à 34, 2,90 m. Où je trouve qu'elle est relativement pas gourmande. Et en version top, alors on nous recommande pour les plus petites tailles 1,10 m. Pour du 2 à 10, 1,30 m pour la taille 12 à 20. Et 2,20 m pour la taille 18 à 24 et 2,90 m pour la taille 26 à 34. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, je vais faire la taille 20 en sachant que je suis sur un buste de BC, taille BC. Voilà, et normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc on commence tout de suite, je vais vous emmener dans les différentes étapes. On va commencer par la découpe du patron, je l'ai déjà assemblé. On va le découper assez rapidement ensemble. Ensuite, on va découper le tissu. J'ai regardé la vidéo sur le site Patreon de Gertie. Pour voir justement les étapes d'assemblage. Donc on va également ensuite faire l'assemblage ensemble et puis à la toute fin, eh bien, je vous présenterai la robe finie. Alors celles qui n'ont pas la capacité ou qui ont du mal avec l'anglais, bah, je vais faire exactement les mêmes assemblages que Gertie. Donc n'hésitez pas à suivre ma vidéo. Et puis bah, pour celles qui parlent anglais, allez-y, celles qui sont abonnées à Patreon, la vidéo est disponible. Voilà, on se retrouve tout de suite avec les différentes étapes. Bien sûr. Alors, donc, on va découper
Ici, ça c'est le. Je dis pas de bêtises. Ça c'est l'arrière qu'on doit couper au pli. Et ça c'est l'avant qu'on doit couper deux fois. Attention, le droit fil est complètement dans le biais. Et ici, vous avez une pince que j'ai prédécoupée pour marquer arrière, pousse-toi. Voilà. Alors, comme c'est un coupon que j'ai déjà utilisé, je vais jouer un petit peu à Tetris. Alors, on va commencer par celui-là et ensuite je pourrai positionner mes deux pièces correctement. Donc voilà. Et du coup, la deuxième partie, eh bien, je vais la retourner. Pour la suite de ma petite couture de robe vintage. Donc là, on va passer aux étapes de la pince. On va passer également à la couture de l'encolure. Et puis, si je me sens courage, on fera l'assemblage du corsage. Et je pense que ce sera tout, en tout cas pour aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous mets tout de suite face à ma machine à coudre et on se retrouve tout de suite. Donc, on va attaquer par la pince. Alors,
Donc, comme on avait dit, les pinces sont assez larges. Je vais voir si par la suite il faudra pas que je les coupe. C'est fort probable. On va voir ça au fur et à mesure. Alors, c'est parti. Donc, je vais sélectionner un point élastique. Tirer un petit peu mon fil. Tac. Voilà, c'est parti mon kiki. Avec la pince, donc elle, je vais la rabattre vers le bas. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Ouais, hop, un petit coup de fer à repasser. Voilà, et je fais la deuxième. Donc, pareil, je rabats vers le bas de la pince. Et je donne un petit coup de fer à repasser. En même temps, j'en profite pour effacer une trace de craie. Voilà. Tant qu'on est là, je vais rabattre également ce petit morceau d'encolure qui avait été thermocollé. Hop. Je le pose bien. Je vais mettre un petit coup de fer à repasser également. Petit coup de vapeur. Tac, tac, tac. Petite pince. Je replie mon petit morceau d'encolure. Hop. Et je vais fixer le tout avec des pinces. Alors, on va également. Alors, on va coudre ici l'encolure, ici en ligne droite. On fait attention, c'est que les marges de couture sont de 1,5 et non pas de 1 cm, puisque c'est un patron américain. Et comme je le disais, c'est très courant chez les patrons américains d'être sur 1,5. Voilà. Alors, ici, je vais piquer l'encolure en point droit. Alors, normalement, je devrais faire un point zigzag, un point élastique. Sauf que dans la vidéo, Gertie explique bien que l'encolure étant suffisamment large pour passer la tête, etc., bah, en fait, ce n'est pas nécessaire et que l'encolure ne demande pas plus d'élasticité que notre tête passera bien. Donc, il n'y a pas besoin et je vais donc piquer. Je vais faire un point droit tout simplement. Alors, donc mon aiguille est complètement sur la gauche. Oui, la gauche. Donc pour être à 1,5, moi j'ai mon petit repère. C'est mon bout de scotch rouge. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous approcher. Tac, 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 tac. Donc moi j'ai mon petit truc rouge. Et ça, c'est mon repère pour être à 1,5. Alors, hop, je me pose. Décaler celle-ci et c'est parti pour un point d'arrêt. Petit point d'arrêt.
Allez, c'est parti. Un petit point d'arrêt. Voilà, et on y va. Un petit peu moins vite. Les deux morceaux du devant, endroit contre endroit, par la ligne de milieu, donc c'est-à-dire du côté où sont les pinces. Alors, je positionne. Hop. Voilà, voilà. Aria. Bref. Alors, je fais bien attention de positionner mes pinces comme il faut. Et ici, voilà. Ce qui nous donnera ceci. Voilà. Tac. Allez, on y va. Alors, cette fois-ci, je repasse en point. C'est le point élastique, c'est celui qu'on appelle souvent le point Harry Potter. Donc, moi, j'aime bien parce qu'il est petit, il est discret. Même si c'est du noir sur noir, bon, voilà, le risque est moindre. Mais je préfère celui-là. Alors, on se remet. Je me remets avec mon repère à 1,5. Voilà.
rentrée. Maintenant, je vais m'attaquer, hop, à l'arrière. Donc, pareil, hein, même chose, j'ai ma bande d'encolure qui avait été thermocollée. Je vais la rabattre. Je vais enlever ça, ça m'embête. Et on va également la stabiliser avec des épingles. Hop. Allez, on y va. Je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Alors, je fais bien attention de mettre le bout de ma parementure comme ça, bien aligné. J'épingle. J'épingle tout au long. Ici, pareil. J'aligne bien comme ça. Hop. Ici. Voilà. Je vais donner un petit coup de fer à repasser également. Histoire d'enlever la croix. Hop, hop, hop. Et bien aplatir. Hop. On va passer à la couture. Ça a rouloté. Problème de la maille, quand on la laisse se reposer une nuit, c'est compliqué. Alors, je repasse un petit coup ici. Que ce soit bien plat, bien propre. Tac, tac, tac. Les poils de chat, c'est gratuit, c'est compris dans le prix. Voilà. Et je viens positionner mon devant. Et donc, je suis endroit contre endroit. Et donc, je n'ai plus qu'à joindre ici, donc au petit angle qui est ici. Je vais joindre jusqu'au bout de la manche et ensuite le dessous de la manche. Voilà. Ici, je suis sous la manche, sous le bras, et je viens épingler également.
Alors, là, je fais bien attention parce que j'ai presque un angle droit. Il faudra que je fasse très attention au moment de la couture et je pense que je vais le marquer. Ça sera beaucoup plus simple. Hop. Donc, je vais marquer 1,5. Je prends ma règle. Je pense que ça sera beaucoup plus facile pour moi. Hop. Voilà. Là, moi j'ai mon petit repère et ici pareil, j'épingle. Et pareil, je vais marquer mon 1,5 cm ici dans l'angle pour que ce soit plus propre. Alors, je mets bien le bout de ma manche ici. Voilà. Hop, je reviens là. Et là, je joins mes deux encolures. Je vais en profiter ici pour ouvrir ma couture que je pense que j'aurais dû faire au départ, mais bon, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc là, je reprends mon point élastique puisque je suis sur des coutures et il va falloir qu'elles soient extensibles mais résistantes et je pars à 1,5 cm. Hop, comme tout à l'heure.
petit décroché qui est juste à l'encolure. Voilà, ici, et je m'aligne sur ma couture que j'avais faite tout à l'heure. Là, je bouge un petit peu mon tissu. Là, je suis les angles, hein, tout simplement. Et je termine par le dessous de bras. Bon ben voilà, on a fini le corsage. Je vous fais voir ça tout de suite. Demain ou ce soir, demain je pense, il me restera la jupe en scuba à assembler. Et puis après, il faudra l'assembler au corsage. Je vous fais voir ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis désolée, c'est du noir sur du noir. Donc ici, on a bien l'encolure qui est un peu style bateau, voilà. Ici, on a les deux pinces qui nous donnent du volume sur le dessus, voilà. Et les deux manches, ici, les deux petites manches, voilà. Et donc, il n'y aura plus qu'à attacher ici la jupe. Voilà. Alors, on va commencer à assembler la jupe. Donc, ça, ce sont mes deux morceaux de dos. Alors, pour rappel, on a deux côtés et un panneau central qui a été coupé au biais. Donc, mais tout simplement, je prends mon panneau central. Alors, je vérifie que j'ai bien mis tous mes repères. Ce sera plus simple. Hop. Le défaut de ce tissu, c'est que je ne vois absolument rien de mes repères. Donc voilà, ça c'est le haut, tac tac tac, hop là, le haut. Donc ici, je déplie mon panneau central et je vais venir mettre un côté, bah, de chaque côté tout simplement. Hop. Et en utilisant mes repères. Donc, alors ici, alors mes repères, ils sont, alors je vois celui-là et celui-là, hop, je vais les positionner, et ces deux-là également, voilà. Alors je vais épingler tout du long, hop, là, on vient, là en face de l'autre. Alors, comme je disais, je vais surtout pas mettre des pinces parce que là, je les trace. Donc, ici, j'en ai bon et j'aurai deux deuxièmes panneaux à faire de la même manière sur le côté. De l'autre côté, hop. Alors, j'aligne mes repères. Alors, je trouve que vous pouvez pas les voir, je les vois, c'est rouge, c'est très léger et ça va, j'aurais bien dû. Alors, j'ai les deux tiers aussi parce que le scoop est sensible, il faudrait que je les forme mon tissu. Hop, je parlais tout de suite du bas, on est du bas. Voilà, donc ça c'est le dos. Voilà. Et je fais tout de suite la même chose pour le devant.
Alors, on se retrouve pour la suite de ma cousette. On est le troisième jour. Et donc, on avait les côtés de jupe à assembler. Et ce sera ensuite à l'assemblage final. Alors, c'est parti. Hop, et je couds toujours au point zigzag, mais cette fois je vais prendre un point sur G. Je me mets à 1,5 cm comme dans les précédentes vidéos, et c'est parti. Je vous fais voir ça tout de suite, et maintenant il va falloir les assembler. Donc, alors ici, donc ça c'est le haut de la jupe, on voit qu'il est plus étroit. Ça c'est le bas de la jupe. J'assemble l'endroit vers l'endroit. Hop. Alors j'ai préalablement marqué où se trouvait le dos, n'est-ce pas, puisque sinon ça va être compliqué de retrouver le devant du derrière, et je vais tout simplement venir assembler. Hop, j'assemble les côtés de la jupe. Hop. Et toujours avec mes repères. Hop, ça on voit que c'est bon. Voilà. J'en mets un dans le pas quand même. Hop, et je recommence. Alors, il y a des repères, mais j'ai envie de dire, on voit très bien que voilà, il y a une courbe ici qui vient sur les hanches. Donc franchement, elle n'est pas compliquée à assembler. Ça se fait tout seul. Et voilà, donc je continue l'assemblage.
J'assemble le côté, le centre du corsage avec le centre de la jupe. Voilà. Donc là, le devant est assemblé, ça c'est l'arrière, et je vais faire pareil. Alors. Je passe le tout à la machine. Donc là, moi j'utilise le bras libre de ma machine. Je vais commencer par coudre sur, enfin je vais commencer ma couture sur le côté. Je vérifie bien que mes coutures sont ouvertes et je pique à 1,5. Hop. À la jupe. Maintenant, je vais faire les ourlets de manche. Donc, je fais un simple rentrée d'un centimètre. Hop. Et pareil, je commence par les coutures du dessous de manche. Là, je fais un petit point, le petit point éclair. Ça sera largement suffisant. Hop. Et c'est parti. Alors voilà, la robe finie, posée sur le mannequin. Alors ça c'est le devant. Voilà. Les petites manches comme ceci.
Alors, par contre, moi, elle me paraît extrêmement longue et pourtant je suis grande. Donc, je pense que je vais la recouper pour arriver au genou. Voilà, ça donne une première idée. Franchement, je la trouve super jolie. Je trouve que ça fait une belle taille. Ça, c'est les découpes en trois bandes. C'est vraiment super joli. Donc, je vais la recouper. Je pense que je vais enlever 10 bons centimètres. Et puis après, je vous la montrerai portée. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà.